Bonjour, c'est Mathilde des agences La Forêt Nord de Sèvres. Aujourd'hui, je vais vous donner les étapes qu'il y a entre la signature du compromis de vente et la remise des clés. Vous avez trouvé un acquéreur pour votre maison. Mais je sais pas. Mais quelles sont les prochaines étapes avant la remise des clés? Avant de commencer, je vais vous donner un premier conseil, qui est de faire rédiger ce compromis par une agence immobilière ou un notaire, parce qu'il y a beaucoup d'éléments juridiques et techniques à inscrire. Et en cas de non-respect de ces règles, le compromis sera nul. Étape 1. Que faire après la signature du compromis? Après la signature du compromis de vente, une copie de ce compromis doit être envoyée à chaque acquéreur. Si l'acquéreur est un particulier, il bénéficie de 10 jours de délai de rétractation. C'est la fameuse loi SRU. Mon petit conseil pour éviter les douleurs au poignet, c'est de privilégier le recommandé. Sinon, vous êtes obligé de signer toutes les pages du compromis et les annexes, et un compromis peut avoir jusqu'à 200 pages. Combien ? Concernant ce fameux délai de rétractation de 10 jours, imaginons. J'ai signé le 10 janvier à 16h30. Malheureusement, le courrier à la poste est déjà parti. Le recommandé va donc partir le lendemain, le 11 juillet. Si la poste est rapide, normalement l'acquéreur reçoit son recommandé le 12. Le délai commence donc le 13. L'acquéreur a donc jusqu'au 23 minuit pour envoyer éventuellement un recommandé d'annulation. Mais si le 23 est un dimanche ou un jour férié, il aura donc jusqu'au 24 minuit pour envoyer son recommandé d'annulation. Donc, on croise les doigts pendant 15 jours. J'aime pas trop beaucoup ça. En cas d'annulation, chaque partie reprend sa liberté. L'acompte éventuellement versé est restitué et aucune indemnité n'est versée. Étape 2. L'envoi du dossier au notaire. Pour un compromis de vente rédigé par une agence, celle-ci est chargée d'envoyer une copie au notaire qui est en charge de rédiger l'acte authentique. Les parties vendeur et acquéreur recevront par le notaire un courrier de confirmation. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous y trouverez plein d'autres vidéos sur l'immobilier. Étape 3, les conditions suspensives. Il existe plusieurs conditions suspensives qui peuvent être inscrites dans le compromis de vente. La plus utilisée est la condition d'obtention de prêt. Vous êtes interdit bancaire depuis 6 ans. Déjà ? En cas de refus bancaire, nous assurons que ce refus a été envoyé dans les délais inscrits dans le compromis de vente. Nous demandons à avoir au minimum 3 refus. Et on vérifie, bien entendu, ces conditions de refus. Par exemple, vous achetez une maison à 200 000 euros. Refus bancaire, 500 000 euros. Il n'y aurait pas un problème? On ne pourra donc pas l'accepter. Étape 4. La vérification du dossier chez le notaire. Le notaire doit également demander différentes pièces. Nous allons nous assurer que le dossier est complet et que toutes les démarches ont bien été réalisées. En gros, que rien ne fait obstacle à la vente. Étape 5. La prise de rendez-vous chez le notaire. Il faut trouver un rendez-vous qui convienne aux vendeurs, aux acquéreurs et au notaire, en respectant bien entendu les délais inscrits dans le compromis, pour que personne ne dorme dehors. Est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? Il faut également s'assurer que les fonds seront bien disponibles et le logement vide. Chez La Forêt, nous essayons de fixer ce rendez-vous un mois à l'avance, permettant à tout le monde de s'organiser et d'anticiper. Étape 6, la visite avant la remise des clés. Il est important de refaire un tour de la maison pour s'assurer que tout est conforme et échanger avec le vendeur sur des éléments techniques. Comment mettre en route le chauffage, l'électricité, ou passer les canalisations d'eau, etc., etc. Mais également faire les relevés des compteurs pour pouvoir faire les changements des abonnements d'énergie. C'est peut-être un moment compliqué pour le vendeur que de dire au revoir à sa maison. Mais pour l'acquéreur, il est rassuré de voir que tout fonctionne. Eh bien voilà, ça fonctionne! Que le vendeur n'est pas parti avec la cuisine ou les poignées des portes et fenêtres. Que le jardin est entretenu, mais surtout que tous ses effets personnels sont bien partis et qu'il n'a pas laissé d'encombrant. D'ailleurs, lors du compromis de vente, nous avons rappelé les éléments qui font partie d'une maison et qui ne doivent pas disparaître, comme les douilles avec les ampoules ou les aménagements de placard. 7e et dernière étape, le rendez-vous chez le notaire.
Pour la signature de l'acte authentique, l'acquéreur doit penser à assurer sa maison. Et pour le vendeur, c'est le moment de remettre les clés. Bah oui, prenez-la. Le notaire remettra au vendeur une attestation de vente et pour l'acquéreur, une attestation de propriété. Voilà toutes les étapes entre le compromis et le notaire qui a environ une durée de 3 mois. Ce qui correspond pour le vendeur et pour l'acquéreur, le temps nécessaire pour organiser son déménagement. Et voilà, la transaction est terminée. Putain. Rien compris, moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et si vous souhaitez d'autres conseils ou de l'aide dans votre projet IMO, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous. Il vous permettra de réserver un appel avec un membre de l'équipe La Forêt. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. À bientôt. Je vous dis au revoir, je vous dis bye bye. Ciao. Je sais pas.